Bah, fais-moi déjà ça. Bon, on va espérer quand même que les 28 ruches vont venir se taper là-dedans, hein, parce que... Ok. Même de nouveau qui est inactif. Hein. Tu veux rien faire, Rimen, hein? T'emmerdant, Rimen. Ah, sacré Rimen, va. Y a tout le monde qui prend ta place, mon pauvre Rimem. Ouais, Rimem. Non, 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 non. Oh, ben on peut faire un deuxième lieu, hein, pourquoi pas. C'est pas bête, ça. Rimem, tu me fais quoi? Tu transportes des smoglies. Ok. La quête expire. Ok. Déjà, pourquoi Rimen, tu peux pas venir ici? Nous avons 385. On va préparer nos personnages. Master. Ensuite. Sky. Sky Master. Et Lucky. Je n'ai plus que de l'excellence, je crois. Ouais. Le Master l'a été pris et de l'excellence. Ok.
nos trois personnages là sont prêts. Ensuite, nous avons besoin que d'équerre et une arme correcte. Très bon. Bimelul, tu vas changer d'arme et te prendre ceci. Voilà. Ensuite, Dan, tu vas. Ok. Sky. C'est bien, chef-d'œuvre, anarchiste. Chef-d'œuvre. Allô. Bon. Maker. Toi, t'as aucun problème avec ça. Vache. Chef-d'œuvre. Bud. Excellent. Excellent. Lucky, chef-d'œuvre. Et enfin, Lisa a un fusil à pompe lourd qui est bon. Mais elle pourrait très bien se prendre. Prendre ce truc ici. Voilà. Donc comme ça on se prépare. Tout le monde a 1, 2 Rimen est. On va te donner, mademoiselle Rimen, on va te donner la possibilité de faire une copie de ceci. Voilà. Et tu vas avoir une chaise. Ou un fauteuil. On va faire un fauteuil. On va en faire deux. Libellule, je souhaiterais que tu me fasses ces deux trucs-ci. Et on va copier les ordres et on va les coller Ok, ça va être réinstallé ici et on va demander à Bam. Voilà, et ici on va dire que c'est Rimen qui me fait ça. Comme ça, ça me foutra la paix. Voilà.
On en a quand même beaucoup, hein, il faut dire. Parfait. On va laisser dormir nos personnages, puisque c'est l'heure de dormir. Ils sont tous prêts pour aller se battre. Et on va espérer que tout tourne bien. Ok, je pense que tout le monde est réveillé. Donc on a nos habits forcés, pas de drogue. Je vois que tout le monde est prêt. Bah, Elissa, quel est ton pépin, ma chérie? Tu as un sommeil troublé. Et ça, c'est pas normal que tu aies toujours un sommeil. Mais bien sûr, j'ai pas encore fait mon truc ici. Hein. Parce que à cause de ça, à cause de cette petite saloperie-là, je suis dans un dortoir au lieu d'être dans une chambre. Voilà. Quelle bêtise! Merci Monsieur Lachy. Voilà. Maintenant, on est dans un autre endroit. Tout de suite, un petit peu mieux. Quand on sera réveillé, bien entendu. Heureusement que tu as eu des amourettes. Allez, on est parti. Alors, on va accepter pourquoi? Pour l'uranium ou pour... On pourra le vendre à la limite, ce truc-là, s'il y a besoin. 450 de plastacier, c'est ce que j'ai besoin pour l'instant. Oula, ma poule. Ok, alors, eh bien, c'est parfait. Voilà nos 28 ruches qui viennent d'apparaître. Eh bien, on va miner ici et miner également ici. Ah, j'aurais pu faire un lance-flamme, tiens. Ça aurait été intéressant de faire un petit lance-flamme.
Eh bien, on est parti. Les petits enfants. Il doit y en avoir une chier. Je peux vous dire que 28, ça va pas être du nougat. Hein. Il fait 31 degrés ici et. Ne me dis pas que non, là il n'y en a pas hein, quand même. Ça, c'est quoi ça? Non. Look at this. Hein? Ah, 28. Ok. Dis ça, tu viens là. Becker, tire-moi un peu ce truc de là. Ah, come on, boy. Ok, lis ça, tu viens ici, voilà, ensuite, Decker, viens péter ce truc, chauffe, viens ici, voilà, chauffe. Tu vas soigner Sky. Ah, j'aurais pu avoir une lumière, ça aurait été plus intelligent aussi. Et donc on va se créer une petite lumière ici. Chauve, tu vas m'aller me chercher une fois que tu as fini ça. Voilà, tu vas me chercher ceci. Tu vas me chercher ceci. Et ensuite, oh, il n'y a plus de mousse. D'accord. On va désactiver. Il y a beaucoup de travail encore. Ah, plutôt faire comme ceci. Jean. Tu viens en premier lieu allumer ceci, ensuite tu me ramènes une glume. Voilà, Decker. Tu viens ici, mon ami. Rimen, tu te mets au centre et on est parti. Bon, on va essayer de ne plus déconner trop et on va dire de maintenir ouvert ceci et à Sky de
Sky. Voilà. C'est parti, mon kiki, ça va pêcher. Ça va pêcher. Sky a été touché. Une condition. Oh. Elle a perdu 2,6. C'est con, hein, ça. Mais c'est pas grave. Grizzly a été touché également. Sky, 3 conditions. Elle est toujours avec 128. Ensuite, Grizzly, elle, a été une petite contusion. Ici, ça va. Est-ce que Sky souffre? Est-ce que Sky souffre? Sky, ma petite chérie, est-ce que tu souffres? Est-ce que tu souffres? C'est faible, parce que tu es toujours anesthésié. Ok. Combien de temps est-ce que ton anesthésie va rester? Vous faites combien il y en a d'animaux là? On n'a pas regardé, mais il doit y en avoir une. Un bon paquet. Déjà, Animal Corpse. On en a déjà 21. Plus. Plus. 68 moins 2, 4, 5. Plus 63. Ça nous fait 84 insectes, les petits gars. 84 insectes. On est occupé de se buter ici. Allez, les gars. Est-ce que tu tires, toi? Tu attaques, ok. Tout se passe bien toujours. Le mouvement un petit peu descendu. Toi, toujours bon, ok. Lachi a été touché aussi 4 fois. Waouh! Là, tu perds un petit peu. Faible en douleur. Sky, ça commence à faire un petit peu plus mal. Et la douleur est toujours faible. Et toi, douleur faible aussi. Mais bon. Ça va commencer à diminuer maintenant. Hein. Ça diminue. Il y a un bon paquet qui a disparu. Il aurait fallu un petit truc de... Au fait, est-ce qu'il y a de la lumière chauffe? Tu m'apportes la glume. On a mis du courant ici, c'est parfait. Ça va faire du bien que le chauve revienne dire bonjour ici. Merci Dan. Merci Jean le chauve. Alors. Toi, tu es parfaitement bien. Sky, tu es parfaitement bien. Enfin, si on peut dire. Et enfin, Lachi, la pupine,
Tu as une conscience de 99 à cause de ta respiration. Alors, ta respiration a été diminuée à cause de le sternum. Ah, quand tu as une fracture là. Donc, le spélopède entaillé, l'acquis, en visant la jambe gauche, laissant une coupure sanglante. Tu te fous de moi? Le sternum se trouve dans la jambe maintenant. Eh ben, dis donc. Ça requiert un traitement immédiat. Ok, donc pour le moment, tout ça va bien. Chauffe. Tu vas en retraite, oui. Tu peux. Tu peux aussi venir couper le jus ici et ici. Ok. Allez, on continue, on termine ces petites bébêtes. La plupart a terminé. Rimen, t'as plus rien à faire? Ouais, pourquoi tu tires pas? Ah, elle est inconsciente, c'est pour ça. Alors, Numbers. Ils sont tous au sol. Bien. Travail. Numbers. Rimen. Tu passes en chasseur. Alors, Lissa. Chasseur. Rimen, chasseur. Bud, chasseur. Vache, chasseur. Non, vache, tu vas aller soigner les gens, mais tu peux faire la chasse quand même. Non, tu vas pas faire ça. Maker, tu vas me faire la chasse. Allô, tu me fais la chasse. Tu vas soigner. Anarchiste, tu peux chasser. Sky, tu vas te soigner. Dame, tu chasses. Libellule, tu chasses. Decker, tu chasses. Leslie, tu rentres te coucher. Et le chauve, tu n'as pas le droit de chasser. Juste que je dois maintenant modifier pour que mes gens aillent se coucher. Je veux que vous alliez en repos. Et en repos. Voilà, ça je suis sûr, je vais être tranquille. Et je suis assez content. Nous allons retourner dans Numbers et comment faire? Donc, je chasse.
je veux que. Tu vas te soigner. Sky, tu vas te soigner. Grizzly, on se soigne. Sky, on se soigne. Et Lachy, on se soigne. Vous voulez vraiment pas aller vous soigner, c'est marrant ça. Se coucher pour des soins d'urgence, 2. Se coucher pour des soins. On va vous mettre en 1 pour que vous me fassiez ça, j'espère. Vous ne pouvez pas me mettre du sang partout, hein, les gars. Ensuite, nous souhaiterions que tous les autres. On va déjà les laisser partir, ces trois-là. Maintenant, vous allez tous devenir comme ceci. Et donc, Becker. On va voir. Ensuite, on va demander aux animaux plutôt zone, étendre une zone, colon intramuros, c'est ok. Herbivore intramuros. On va vous autoriser de nouveau tout ceci. Et les carnivores. Chauve, tu peux pas. D'équerre, tu te reposes. Donc d'équerre, tu vas venir. Nous allons obliger les chasseurs. Ils sont en 1 pourtant. Donc d'équerre est un chasseur. Donc d'équerre. Ok, Libellule. Ok, Bam. Anarchiste, oui, allô. Maker.
Donc le moment Grizzly mange. Sky, il mange. Nashi mange. Le jeu aux échecs. Déjà, assignation, on va vous enlever vos chapeaux. Voilà. Ensuite, il va falloir péter tous ces nids. Il y en a une série. Donc, allô. Viens ici. Lisa, tu fais. Tu chasses mes araignées, libellule. Tu viens ici. Bam. Tu viens ici. Anarchiste. Tu viens ici. Là, il y a du boulot, hein. Ok. Tu attaques le nid, parfait. Mais lequel le nid? C'est celui-là que tu attaques. Est-ce qu'il y a encore des animaux? Un mégaraignée ici quelque part. Ok. Donc. C'est Allo qui va venir me le chercher. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Tu vas me chasser de mes garignées là-bas, mec. Libellule, tu me pètes ce truc. Anarchiste, tu me pètes ce truc. Décaire. Tu vas là-bas. Bam. Tu viens. Ici. Allô? Le mégaraignée. Elle vit encore, cette bestiole-là. En train de fuir. Ok. Mélissa. Ok. Anarchiste. Tu attaques le nid. Libellule, tu attaques le nid. Becker, tu m'attaques le nid. Bam. Tu m'attaques ce nid. Alors, où est-ce qu'il est le spélopède? Il est mort ou pas? Est-ce qu'il est igé au sol? Ok, parfait. Lisa. Tu attaques le nid. Ok. Libellule, tu as terminé ici. Tu viens attaquer le nid qui est ici. Parfait. Décaire. Tu vas te prendre une balle dans la tête à cause d'un anarchiste qui va venir ici, anarchiste. Anarchiste, je t'ai dit de venir ici, ok.
d'équerre, tu vas tirer ici dessus. Dame, tu tires sur celui-ci. Alissa, tu tires sur celui-là. Les libellules. Ok. Ensuite, est-ce que nos personnages sont partis se reposer? Oui. Sky est parti se reposer. Et Lucky est parti se reposer. Bien. Allo est occupé de zigouiller la petite bestiole et c'est fait. Ensuite, Allo, il vient ici. Ok. Ensuite, toi, tu as terminé, Lisa. Et il n'y a plus de lit, de nid là. Tu viens ici. Et puis tu attaques le lit. Bam, ok. Libellule, tu attaques le nid. Becker, tu attaques le nid. Anarchiste. Petit à petit, on va y arriver. Ça va plus vite à la main, normalement, hein, mais... En plus, il fait tout noir. Toi, tu as fini. Et tu m'attaques le truc là, ok. Oui, oui. Bam, t'as l'air d'avoir terminé. Viens ici. Becker, mais là-bas, Libellule, on vient ici, Mélissa, là. Allô, je voudrais que tu tires sur celui-ci. Et Dan, c'est sur celui-ci que tu dois tirer. Lisa, tu tires sur celui-ci. Libellule, tu tires où tu veux, t'en as plusieurs. Becker, tu me tires sur ce truc. Ok, allô, tu viens de terminer ici, donc tu passes ici pour ne pas te faire tirer dessus bêtement. Ok. Becker, on va continuer jusqu'ici, mon ami. Alors, est-ce qu'on a terminé ici? Oui.
Becker. Libellule, on dirait que tu as terminé l'énigme qu'il y a par ici. Non, il y en a encore un là. Libellule, viens ici, ma chérie. Non. Non, non, toi tu tires là-bas. C'est Libellule qui va venir jusqu'ici. Jusque là, c'est la même chose. Dan, tu viens de terminer. Donc, Dan, tu viens ouais, on a à peu près terminé, je pense. Lisa, reviens ici. Et Dan, viens ici. Ici, on va avoir fini celui-là. Libellule, tu vas être occupé de tirer dessus. Ouais, parfait. Alors, est-ce que tu as terminé ton petit bidule? Pas encore. Voilà. On a encore un nid ici, je crois. Ouais. Toi, bah, tu vas venir à côté alors. Hein. Voilà. Becker. Tu vas me buter celui-là. Je crois que c'est le petit dernier. Oups. Libellule, tu peux rentrer. Voilà. Et ici, ils ont fini, je crois. On ne peut rien. Hein. Ensuite, nous avions donc Vache qui va se lever. Non, qui veut pas. Qui va venir soigner qui? Alors, premier de ces messieurs, c'est qui? Grizzly, comment es-tu? Est-ce que tu saignes? Tu saignes. Sky, est-ce que tu saignes? Pas beaucoup. Et Lachi, tu ne saignes pas. Donc, nous voudrions que nos personnages, déjà, ils vont tous avoir ça. Ok. Sky. Ok. Et Lachi, tu passes également dans des médicaments médicinaux. La vache va commencer par soigner Sky, et ensuite elle soigne Grizzly. Et enfin, Lachi.
son petit copain. Voilà. Eh bien, on a... Les capsules viennent d'arriver, c'est une bonne chose. On va conserver la porte ouverte et la porte ouverte également ici. Ok. Et tout le monde va nous mettre des petites bestioles dans ce coin-ci. On vérifie toutes les zones. Donc, pour le moment, nos herbivores intramuros peuvent faire ça. Ok. Et nos carnivores intramuros ouais, on peut faire ça quand même. Nos animaux sont bien dans Intramuros. Et nos personnages sont tous dans Intramuros. Est-ce que mon colon Intramuros et non constructeur, parfait. Alors voilà, l'infestation donc elle est terminée et nous récupérons du plastacier pour notre ami et ça c'est parfait. Alors, est-ce qu'on commence à reprendre du poil de la bête? 15. Pas trop, hein. 16. C'est pas énorme, hein, ce qu'on récupère là. Bon, qui reste ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui tourne pour le moment? Pas grand-chose, hein, pourtant. Même l'autre est coupé, donc... Il n'y a presque rien qui tourne, hein. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent non plus. Mais ça remonte un petit peu, il est 2h du matin. Bon, ben on a, je sais plus, 80 et quelques insectes, si je me rappelle bien. Prenons les numbers, prenons les animal corpse, voilà, on a 77 minimum. Hein, parce qu'on en a peut-être déjà coupé un ou deux, non? Non, il y a encore tous ceux qui sont dans les bras des gens. Hein, ils sont pas encore, bien entendu. Ils sont pas comptabilisés. Vous voyez, donc on en a... C'est pas mal. Je pense que c'est bien. Écoutez, je vous invite... on va stopper là notre petite... vidéo et je vous rejoins un petit peu plus tard. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.